Aujourd'hui, nous allons apprendre à remplir une poche et à l'utiliser. Utilisez de préférence des poches en plastique. Le premier geste consiste à retourner les bords de la poche sur votre main. Faites en sorte d'avoir des bords suffisamment grands. Vous prenez une douille cannelée ou unie, tout dépend de ce que vous voulez réaliser. On la glisse à l'intérieur de la poche et on va pouvoir couper à l'aide d'une paire de ciseaux la poche. Faites attention de ne pas trop couper pour éviter que la douille ressorte de trop. Par mesure de précaution, on va mettre une pince à linge à ce niveau-là pour éviter que le liquide ou le produit que l'on va mettre à l'intérieur de la poche coule. Maintenant, nous allons pouvoir remplir la poche. Surtout, bien maintenir la poche dans votre main. Le bord repose sur l'index. Et à l'aide d'une cuillère, on va pouvoir remplir la poche en grattant la cuillère sur votre index. Il ne vous reste plus qu'à relever les bords. Le fait d'avoir réalisé ce geste, vous avez des bords de poche qui sont propres. Ensuite, on va retirer la pince à linge. Et on va visser la poche afin que le produit descende. Tout en vissant la poche, bien la maintenir et la tenir comme une moufle. Sans utiliser les doigts, faites une légère pression avec la paume de la main. Vous allez pouvoir pocher votre produit. Ma main gauche sert juste de guide. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer.